trotzdem das Schwert nun entscheiden. Jetzt im Frieden über Feld und Verfall. À l'aube du XXe siècle, la paix de l'Europe semble assurée par la famille des rois, dont la reine Victoria est la grand-mère, aimée et redoutée, en même temps que le symbole indiscuté. Ainsi, pour son jubilé de diamants où l'immense empire britannique célèbre un règne dont l'origine se perd dans la nuit des temps, le tout-puissant Kaiser Guillaume II n'est plus qu'un petit-fils parmi d'autres, suivant respectueusement le cortège. Les solennités se déroulent devant la cathédrale Saint-Paul. « Dans la rue, dira sa fille Béatrice avec consternation. Au vu de tous, rajoutera sa belle-fille Alexandra, qui aime la popularité. » Victoria s'en accommode fort bien. On la déplace comme une idole. Elle tient à l'œil son héritier, le prince de Galles, et couvre des yeux son préféré, l'empereur allemand. À Berlin, capitale du royaume de Prusse et de l'Empire allemand, le Kaiser Guillaume règne avec flamboyance. Dans les délices d'un pouvoir tout neuf, le dynamisme d'une nation récemment réunie et l'enthousiasme de sa propre jeunesse. Et il assume avec un martial orgueil les traditions militaires de sa famille, la dynastie Hohenzollern, qui lui a transmis un formidable héritage. Pourtant, dans les trop vastes palais de Potsdam, à l'ombre austère de son grand-père Guillaume Ier, sa jeunesse s'est déroulée sans joie, marquée d'un coup du sort dont il n'a triomphé que par la force de ses qualités et la singularité de ses travers. En effet, le premier fils de Vicky, l'aîné de Victoria, naît disloqué par les fers d'un accouchement dans la douleur. Il en garde un bras gauche atrophié dont il ne peut se servir. Cette infirmité qu'il surmonte et dissimule bravement répugne à sa mère, dont, par surcroît de malchance, il désespère d'être aimé. Elle se reproche son dégoût, il se débat dans son malheur, entre eux toujours le petit bras malade. Cette lutte permanente contre les handicaps aiguise son intelligence, en même temps que ses propensions nerveuses au narcissisme et à la violence. Il dédaigne son père, le doux et conciliant Frédéric, prince héritier de Prusse. Il cherche à dominer cette mère qui le voit grandir avec angoisse. L'expansion de la Prusse, la formation de l'Empire allemand par la guerre et le machiavélisme de Bismarck enfièvre son adolescence. Il en retient le cynisme et la brutalité, sans mesurer que cette efficacité est aussi faite de prudence et de patience. Sa mère se méfie de cette Allemagne sûre d'elle-même et déteste son chancelier de fer. Raison de plus pour que Guillaume les porte au nu. Vicky admire en revanche le pays de la culture romantique et elle surveille de très près l'éducation de son fils dans l'espoir de le corriger de penchants qu'elle redoute. Modernité rarissime dans les cours, elle l'envoie au collège, le fait inscrire à l'université. Un précepteur sans douceur complète les humanités rhénanes. Excursions à la dure, apprentissage du travail, pas d'argent de poche. Il empile la Lorelei, Heidelberg et la mémoire des chevaliers teutoniques. À 20 ans, persuadé d'avoir triomphé de ses épreuves et d'être devenu le prince surdoué du germanisme, il se sent investi du destin de Siegfried, terrassant un dragon aux multiples visages. La pensée libérale de sa mère et tous les intellectuels et les démocrates qu'elle se pique d'estimer, la faiblesse de son père qui songe à rendre l'Alsace-Lorraine à la France.
Et s'il ne peut brandir son glaive que d'une seule main, il est pressé de s'en servir pour se saisir de tout ce que l'Empire lui promet sur la dépouille de ses ennemis imaginaires. Il aimerait faire un mariage à la hauteur de ses ambitions, mais sa cousine, la très belle et intelligente Élisabeth de Hesse, le rejette, et il se rabat sur une obscure princesse du Schleswig, Augusta Victoria, que l'on appelle Donna, grosse et brave fille, qui ne demande qu'à s'attendrir aux légendes germaniques, surtout quand le héros souffre d'une blessure permanente. Il se félicite de l'avoir tirée du débarras des altesses inépousables. Au moins, elle lui sera docile et fidèle, et en plus, elle fait honte à sa mère. Mais elle le touche aussi, avec cette autre infirmité qu'est son absence de grâce et ses yeux embués qu'elle porte constamment sur lui. Cet enfant gâté ne l'a pas été par la tendresse. L'amour de Donna le rassure et le rend plus tranquille, pour un temps. De toute manière, c'est un Hohenzollern, faiseur d'enfants sans plaisirs excessifs, mais attentif à ce qu'il marche bien. Et il ne peut aussi s'empêcher de compter. Mon grand-père, mon père, mais quand donc régnerai-je ? Enfin, le destin lui grimace macabrement un vrai sourire. Son grand-père meurt et son père est mourant, dévoré par un cancer de la gorge qu'il tente de conjurer au tiède soleil hivernal de Sanremo. Le règne de Frédéric III n'est qu'une agonie de 100 jours. Et Vicky se retrouve veuve avant même d'avoir eu le temps de se débarrasser de Bismarck et face à un fils pressé de régler toutes sortes de comptes. Guillaume devient le Kaiser, traduction allemande du César des Romains, comme Tsar l'est en russe, mais contrairement à ce qui attend son jeune cousin Nicolas, personne ne lui conteste de jouir à 29 ans de l'une des plus grandes puissances du monde. Il n'y a que sa grand-mère Victoria pour oser lui reprocher la brutalité avec laquelle il écarte sa mère vers une résidence très surveillée dont on se détourne pour plaire au nouveau maître. Mais Vicky, c'est la pensée libérale qui n'a guère voix au chapitre dans l'Allemagne militarisée du chancelier de fer. Or, si Guillaume se proclame enchanté de suivre humblement les précieux avis du bienfaiteur de sa famille, il ronge son frein sous la férule du vieil homme, qui jette ses messages enflammés derrière son dos, comme les os des poulets qu'il dévore à ses repas. Assoupi et morose, le chancelier ignore aussi les nouvelles générations du paillasson sur lequel il s'est si longtemps essuyé les pieds. Elles sont toutes prêtes à accueillir un pas plus jeune et plus léger. Guillaume le débarque sans que personne ne s'en offusque et l'abandonne à sa vieillesse et à ses dogues qui répandent la terreur sur tout le voisinage. Il est désormais seul maître à bord, avec ce jouet étincelant de vigueur et de nouveauté qu'est l'Allemagne et son prototype en plein perfectionnement, Berlin. Longtemps, morne bourgade d'un Brandebourg léthargique, devenue la capitale avare d'agrément des austères Hohenzollern, la ville bat maintenant de la toute récente énergie de l'Empire. Palais, boulevard, tramway, c'est l'Amérique en Europe, avec un gosse de riche aux commandes branché sur l'électricité. En plus, tout le monde obéit. C'était courbé devant l'épouvantail Bismarck. Ce sera la tête pleine de rêves que déverse le fringant uniforme. Cependant, l'Empire allemand n'est pas uniquement la Prusse. Toutes sortes de nains couronnés survivant du fond des âges font grand tapage autour du géant mal dégrossi. Aux obsèques du grand-duc de Bade, ils sont tous là, les princes et les rois d'Allemagne, qui se résignent mal de ne plus pouvoir grandir et cultivent des fleurs d'autrefois qui se voudraient carnivores si le Kaiser les respirait de trop près. «
La Bavière, que Louis II parsema de ses délirants châteaux en copies d'anciens, garde ainsi jalousement le souvenir du royal névrosé, qui résista à la proclamation de l'Empire allemand juste un peu plus longtemps que ne dure un opéra de Wagner. Mais c'est pour en faire une effigie de boîte de chocolat, débarrassée de toute référence désagréable quant à ses frasques et sa mystérieuse et tragique disparition loin de Munich. Le vrai visage de Louis II, celui de l'amateur de jolis jeunes acteurs invités à déclamer jusque dans sa chambre et du quadragénaire bouffi puisant dans les caisses de l'État pour s'envelopper du crépuscule des dieux, a été effacé au soulagement général par des cousins à l'apparence de bourgeois bien rassurants sous la houlette d'un patriarche chenu qui préfère ses boîtes à musique et ses chalets à coucou à la philharmonie de Bayreuth. Les Wittelsbach de Munich pourraient à bon droit disputer l'Empire aux Hohenzollern de Berlin. Et le régent Luitpold est très populaire en Bavière, où sa présence protège des traditions férocement méfiantes à l'égard de la Prusse. Mais ni son caractère, ni son statut n'en font un réel danger pour le Kaiser. Il existe en effet un roi de Bavière, ailleurs, on ne sait trop où, frère cadet de Louis II, enfermé en camisole dans une chambre capitonnée. C'est un boulet de plus que traîne le vieux régent et dont le Kaiser pourrait se servir contre lui en cas d'orage. L'autre beau et vénérable royaume, c'est la Saxe, où le roi Albert réside à Dresde, dans une capitale toute parée des remarquables reliques artistiques d'une grande histoire. On y respire le parfum d'une vieille Europe raffinée qui n'a rien à voir avec l'arrogance nouveau-riche de Berlin. La Prusse a beaucoup lorgné sur les frontières de la Saxe et abaissé sa maison. Un scandale permettra au Kaiser d'écorner un peu plus son prestige. Car si Dresde est charmant, il est vrai aussi qu'on s'y ennuie ferme. Le prince héritier a rempli son devoir en faisant un mariage bien arrangé et depuis, il va qu'à ses affaires. Son épouse a aussi fait le sien en ajoutant une flopée de petits saxes à l'album de famille. Mais si son physique est enveloppé, il abrite aussi un cœur ardent que le sémillant compositeur italien Toselli promène avec enthousiasme parmi les rafraîchissantes surprises de la Suisse saxonne. Bref, ce qui devait arriver advient, et la Bovary royale s'enfuit avec l'amateur de bel canto avant de se découvrir une fiévreuse et tardive vocation de femme fatale au bras de toutes sortes d'amants qui l'entraîneront dans l'univers imprécis des casinos et des chèques en bois. Et si les cours royales gardent un silence horrifié devant cette brusque irruption du désordre et du plaisir, depuis Berlin fleurissent ragots, rumeurs et cartes postales instructives. Devenu roi, Frédéric Auguste, authentique ami de la paix, ne pourra jamais peser sur le Kaiser, qui redoutait son intelligence et sa popularité. Pris au piège du souvenir de son infortune et du fantôme envahissant de la capiteuse disparue qui finance improbables martingales et coûteux jeunes consolateurs en vendant ses souvenirs aux journaux. Tout en profitant de l'affaiblissement des anciennes dynasties, le Kaiser fait alliance avec d'autres féodalités, les trusts de l'industrie, dont il protège les ambitions expansionnistes. Krupp, notamment, qui ne demande qu'à fournir les canons que lui réclame l'armée, en contrepartie d'une paix sociale expéditive. Le Kaiser approuve le marché. Lointainement paternaliste, il redoute sourdement le prolétariat, et celui qui le défend contre les cartels et leurs alliés, le socialiste Bebel.
Il est ainsi l'empereur des maîtres de forge qui le flatte, sans discerner qu'il est aussi leur obligé, affichant son camp dans la lutte des classes et suivant le cercueil du vieux Krupp au milieu des généraux d'industrie. Mais tout est imbriqué dans cette bonne affaire qu'est l'Empire allemand. Bertha Krupp épouse l'aristocrate von Bohlen et c'est le Kaiser qui est le témoin de famille de la noce. Car l'empereur Guillaume a besoin d'acier pour jeter son jouet à l'assaut des mers. La relation d'amour, de fascination et de haine qui l'unit à Vicky s'est reportée sur l'Angleterre, dont il jalouse la puissance maritime. Ainsi arrache-t-il les crédits nécessaires à la constitution d'une flotte et parade-t-il sur les docks où on lance des navires de plus en plus gros, tout en protestant de ses intentions pacifiques auprès de sa grand-mère Victoria dans un flot de lettres sincèrement affectueuses. Car au fond, il cherche avant tout à être aimé, avec la sentimentalité profuse des grands égoïstes et l'habileté manipulatrice de l'enfant dominateur qu'il est resté. Ses poses extravagantes, ses discours intarissables changent en fonction des auditoires. Pour l'Allemagne paisible des pays rhénans, il se présente sous le jour d'un prince aimable et attentif. Cet éparpillement de sa personnalité explique la réelle séduction qu'il exerce. L'Allemagne est vaste et en mouvement. Comment douterait-elle du frégoli impérial qui dépense tant d'énergie à dissimuler qu'il n'est pas sûr de lui-même ? Enfin, la représentation lancinante des valeurs fantasmées de la Prusse sert d'épine dorsale à son désordre. Donna est bien incapable de le raisonner, même s'il lui arrive timidement de se plaindre pour ses enfants, dont elle devine les manques et les déséquilibres, dans un tel climat d'arrogance et de train de vie fastueux. Rien n'est trop beau, en effet, pour les rejetons du Kaiser, pour peu qu'il se plie à une férule prussienne exercée sans guère de suite et dorée de tous les caprices des nouveaux riches. Les caractères s'en ressentiront gravement. La famille du Kaiser illustre la vanité de son règne, incapable de s'affirmer autrement que par des rébellions clandestines sans élan ni perspective, avec pour plus tard une ou deux exceptions et aussi quelques tragiques naufrages. Mais pourquoi discernerait-il qu'il existe un autre monde ? Quand leur seule sortie hors de leur palais rutilant sont pour assister à l'enfilade des finales de revues d'opérettes casquées que mène leur père et où même égarés dans les brumes de Tempelhof, de pauvres bougres grelottants de roitelets africains annonnent en allemand des compliments terrifiés. Sa grand-mère Victoria laisse faire, alors qu'elle traite ses fils déjà bien patinés. Comme s'il n'avait jamais grandi, elle n'est qu'indulgence pour son enfant terrible. Victoria est depuis 40 ans la veuve inconsolable d'un mari qu'elle adora sans fausse pudeur. Éducatrice avisée, puis devenue abusive, dans la macération du souvenir du cher disparu, elle laisse flotter sur son grand âge la nostalgie inavouée de la virilité. Son petit-fils lui impose ses caprices juste assez pour qu'elle ait l'impression qu'il est le nouvel homme de la famille. Et puis elle a amplement de quoi se consoler avec ses nombreuses petites filles, et notamment la si sensible Alix de Hesse, devenue tsarine de Russie. Victoria pense constamment à elle, comme au jeune couple qu'elle forme avec le tsar Nicolas, à qui elle s'est attachée malgré ses premières réticences. Elle s'apitoie sur leur destin qui les condamne à régner à un âge aussi tendre, sur cette Russie tellement éloignée de Windsor par les distances, l'histoire et la culture. Et elle s'émeut de toutes les preuves d'amour qu'ils se sont déjà données, écho de la propre passion qu'elle connut autrefois. Alix est née en 1872 à Darmstadt, tranquille capitale du Grand-Duché de Hesse, principauté rhénane oubliée des mégalomanies prussiennes.
Sa mère est la seconde fille de Victoria et l'on vit comme à la campagne anglaise. Les enfants courent les chemins creux. Chagrin, l'un des deux fils est mort mystérieusement, des conséquences d'une blessure de rien du tout. Bonheur, Alix, est si jolie et si gaie que tout le monde l'appelle Sunny, rayon de soleil. Puis survient la tragédie. La mère de Sunny meurt de la diphtérie dont elle soignait ses enfants. C'est Sunny qui a apporté la maladie. Le choc, l'affolement et le chagrin éteignent le rayon de soleil qui devient une enfant triste, inquiète et timide. Cependant, Victoria n'entend pas laisser ses petits-enfants Hess sans le secours de leur grand-mère. Elle accourt à Darmstadt et au fil des ans se substitue à la disparue. Puis la vie reprend son cours. Certes, Alix n'est plus la Sunny d'autrefois, mais sa mélancolie, réfugiée dans les livres, en a fait une jeune fille sentimentale que subjugue sa sœur Elisabeth, celle-là même qui refuse à Guillaume. On l'appelle Ella jusque dans les rues de Darmstadt, et elle précède Alix en tout, beauté sans froideur, élan sans contrainte, joie sans nostalgie. Pieuse et compatissante, quand Alix est mystique, imprégnée du sens du péché. Ella aime ses joyeux cousins Romanov qui viennent pour les vacances à Darmstadt. L'intensité de la Russie l'attire. Elle se fiance avec le grand-duc Serge quand Alix croise en rougissant le regard du tsarévitch Nicolas, un adolescent de son âge, effronté et farceur. Comme prévu, Ella semble heureuse en Russie, auprès de Serge, qui a été nommé gouverneur de Moscou. Elle s'est convertie à la religion orthodoxe, elle mène une existence de princesse de légende, avec quand même un secret très obscur qu'elle scelle à tout le monde. Alix vient la voir. Sa beauté s'est affirmée, mais sa gaucherie aussi. Et dans les bals, elle paraît n'être là que pour faire ressortir la splendeur de sa sœur. Cependant, pour peu qu'on l'apprivoise, elle s'avère bonne, intelligente, extrêmement instruite. Le tsarévitch Nicolas est un habitué de la petite cour de tante Ella. Il découvre les qualités d'Alix, devine qu'elle l'aime depuis toujours et s'en éprend éperdument. Le tsarévitch ne changera pas d'avis. Pour la reine Victoria, vue de Windsor, la perspective d'un deuxième mariage russe chez ses petites filles Hess est un non-sens. Passe encore pour Ella, qui est si forte et a épousé un grand duc qui ne régnera pas, mais sa chère Alix, si timide et sentimentale, entraînée par ce gamin si loin d'elle et condamnée à devenir un jour tsarine, cela choque son affection et ses préjugés. Pénétrée du rôle de souverain constitutionnel qu'elle incarne, après s'être persuadée de l'avoir inventé, Victoria a toujours farouchement snobé les Romanov, qu'elle trouve capricieux, tape à l'œil et petit bourgeois en même temps. Russe en somme, selon l'idée très négative qu'elle se fait d'un empire sans constitution où sévissent pogroms, terroristes et régicides. Cependant, à ses côtés veille une avocate des jeunes amoureux, Alexandra, princesse de Galles, sa belle-fille, qui sut en son temps amadouer ses préventions contre tout ce qui n'est ni anglais ni allemand. En effet, Alexandra est la fille du roi Christian IX de Danemark et elle retourne fréquemment à Copenhague. Son père, souverain bienveillant d'un pays déjà démocratique, s'est consolé de s'être fait ravir une partie de ses provinces par la Prusse, en mariant brillamment ses filles. Ainsi, la sœur d'Alexandra, Dagmar, a épousé le tsar Alexandre III, devenant à la Russe Maria Féodorovna. Malgré les distances et le temps qui passe, les sœurs sont comme les doigts de la main.
s'arrangeant pour faire coïncider leur retour chez leurs parents, où l'on vit sans les lourds protocoles de Windsor et de Saint-Pétersbourg. La reine Victoria, qui trouvait le Danemark un peu trop modeste, ne tarit plus d'éloges sur Alexandra, rêve de princesse de Galles, adorée pour son charme et sa poésie. Et comme elle connaît l'attachement unissant les deux sœurs, elle accepte peu à peu l'idée que les qualités danoises ont peut-être gagné les Romanov. Alexandra ne perd d'ailleurs jamais une occasion de lui raconter en détail ses retrouvailles avec Maria Féodorovna et de vanter la qualité de sa vie de famille auprès du tsar. Maria Féodorovna a toujours paru bien délicate et d'une éducation supérieure auprès de son mari, bientôt Alexandre III, colosse aux idées conservatrices bien arrêtées. Et pourtant, leur fils aîné Nicolas est l'enfant d'un grand amour. En fait, il se complète, elle aime le monde et les voyages, il est un ours qui fait trembler ceux qui l'approchent. Mais elle admire sa force, il a le sentiment de les protéger. Cette harmonie imprègne Nicolas, ses frères et sœurs, dans une sphère privée très affectueuse où Maria Féodorovna élève ses enfants de près et dans le culte du géant barbu qui, en fait, ne monte jamais la voix. On vit à l'extérieur de Saint-Pétersbourg, dont Maria Féodorovna se languit parfois, capitale réputée dangereuse depuis l'assassinat du tsar libérateur, le père d'Alexandre, par des révolutionnaires qui l'ont récompensé de ses réformes à coups de bombe. Nicolas n'a d'autre jugement sur ses parents que de les admirer. Il est aussi très attaché à son frère Georges, dont la santé est plus fragile et qui le domine par son intelligence. Maria Féodorovna s'inquiète parfois pour cet aîné trop aimant et qui a du mal à étudier, pourvu que Georges l'aide plus tard. Avec les années, dans la paix de fonte qu'Alexandre fait peser sur l'Empire, Nicolas sort de ses palais protégés. Son père l'initie à une Russie immuable où les traditions, l'armée, les cosaques sont le plus sûr rempart du tsar autocrate, choisi par Dieu pour être le petit père d'un peuple slave et orthodoxe qu'il faut tenir à l'abri des idées pernicieuses. Nicolas est le pur produit de cette vision du monde, même s'il lui arrive de se demander pourquoi il faut être fort comme son père pour la maintenir. De toute façon, on est si tranquille et si heureux ensemble. À chaque été, la famille danoise, si simple et chaleureuse, se montre finalement bien plus proche que la remuante tribu des grands-ducs Romanov, tenue à l'écart par Alexandre pour qu'elle se tienne sage. Chez Amama et Apapa de Copenhague, on retrouve tous les cousins d'Europe, guère d'uniformes, mais des journaux libéraux qu'Alexandre lit avec attention, indifférent au babil des deux sœurs. Cousin Georges aussi, le fils d'Alexandra, qui ressemble beaucoup à Nicolas. Nicolas est un jeune homme maintenant, disposant d'une maison et de sa fortune, mais il n'ose ni prolonger son enfance, ni devenir adulte. Alexandra est son secret, que tout le monde connaît, dans le petit groupe des cousins Romanov avec qui il se rend à la patinoire. Lorsqu'il n'est pas de service, dans un de ces régiments des gardes auxquels l'initie son oncle Nicolas Nikolaïevitch. On s'amuse à Saint-Pétersbourg. Il y a beaucoup d'étrangers, de femmes, de tentations. Ses parents aimeraient bien qu'il en profite un peu pour oublier Alexandra. Certes, il faut faire attention à ces jolies intrigantes que les grands-ducs ramènent trop souvent de France et qui cherchent fortune ensuite. Mais l'opéra, par exemple, ne possède-t-il pas le plus ravissant décor de ballet? C'est ainsi que Nicolas rencontre Mathilde Kchesinskaya, danseuse étoile du théâtre impérial qui n'a pas besoin d'un tsarevitch pour protéger un talent reconnu et l'aimera donc sans calcul.
Chessinskaya est d'une grande beauté, travaille avec acharnement, danse en portant ses bijoux, possède un palais gagné par ses contrats. À son contact, en même temps que le plaisir, Nicolas découvre un autre univers, à la fois plus difficile et plus libre que celui qu'il connaissait jusqu'alors. Il est honnête, ne cache rien de son secret, mais il revient aussi chaque soir. Et Chessinskaya prend le temps comme il vient, en plongeant dans son si beau regard, dont elle ne sait s'il est mélancolique ou s'il est vide. Selon ses parents, cette histoire ne mène plus à rien. On l'envoie faire un grand voyage autour du monde. Nicolas passe beaucoup de temps dans sa cabine. C'est fou tout ce qu'il doit écrire à ses parents, Alexandra, Chessinskaya, et puis son journal. Sans beaucoup de sentiments, le journal. Plutôt les dauphins, le mal de mer. Le Khédive d'Égypte est très content de le recevoir avec sa jeune troupe de princes en goguette, cousin grec, son frère Georges, et puis Sandro, le grand-duc qui lui ressemble tellement, sauf qu'il s'intéresse vraiment à tout, et les entraîne sur la grande pyramide. Nicolas colle des photographies sur le grand album qu'il rapportera à Saint-Pétersbourg et que l'on éditera ensuite pour quelques amateurs éclairés. On fume aussi le narguilé, sans trop s'interroger sur la fin des grands empires. Passé Suez, en Inde, Maharaja et chasse au tigre, comme de juste. Nicolas admire beaucoup cette administration anglaise où l'on fait marcher le pays en restant entre soi. Puis c'est la Thaïlande, dont le roi a su habilement se glisser parmi les cousins exotiques des cours d'Europe. On assiste à la fête du riz en tenue de gala. Le cousin grec disparaît, on ne sait tout, et revient au dernier moment l'air mystérieux. Inquiétude au large, Georges est repris par sa faiblesse des poumons. Il tousse sans arrêt, un bateau vient le prendre pour le ramener, et si c'était grave? Au Japon, Sandro déclare qu'il n'y a rien de plus amusant que d'aller épouser pour quelques heures une de ces femmes poupées que leur famille présente aux étrangers. Nicolas n'ose pas écrire qu'il le suit, comme il n'ose pas avouer qu'il trouve le temps un peu long. Les Japonais lui déplaisent, ils sont trop avides de tout savoir sur l'Occident, cela cache quelque chose. En un sens, il a raison de se méfier. Un nostalgique du temps des samouraïs manque de le tuer en lui portant un coup de sabre que son cousin grec a le réflexe de détourner. Blessure, embarras, excuses du Mikado. Nicolas est maintenant certain que les Japonais sont dangereux et qu'ils feront un jour la guerre aux Russes pour leur prendre un morceau de Sibérie. À son retour, la famille lui fait fête, mais il règne une impalpable inquiétude. Quelque temps plus tôt, le train du tsar a déraillé. C'est certainement un accident, contrairement à ce qu'affirment des tracts révolutionnaires, mais Alexandre III a abusé de sa force, pourtant herculéenne, en soulevant des amas de tôle pour dégager les victimes. Et lors des grandes chasses d'automne dans les marais giboyeux de Pologne, qu'il n'a pas voulu annuler malgré l'avis des médecins, Nicolas est frappé de le sentir si vieilli et si affaibli. Alexandre III néglige les grands aurochs, se déplace lentement, passe beaucoup de temps à contempler la forêt sans parler. La grande fatigue du tsar est un sujet tabou et il refuse de se soigner. Comment imaginer que cet homme encore jeune, qui tordait des couverts en argent à la figure d'un ambassadeur en lui disant dans un sourire « Voilà ce que j'en fais de vos armées si elles s'approchent de mes frontières », puisse rentrer avant le tableau de chasse que ses invités ont tiré sans oser parler de rien. Tsarevitch, prince héritier, Nicolas ne s'est jamais interrogé sur ce titre qui suppose que son père puisse mourir un jour. Et maintenant, il le voit devant lui,
adossé, le souffle court, tel qu'en parlent ses ennemis, un colosse aux pieds d'argile. Cependant, à Darmstadt, la vie d'Alix change aussi. À 23 ans, Ernest Ludwig, son frère chéri, devient grand-duc de Hesse et une gaieté nouvelle réveille en fanfare le sommeillant état rhénan. Comblé de dons, spirituel et artiste, Ernest Ludwig n'a qu'un problème à régler, sa réputation de coureur de garçons. Comme un pompier à court à l'incendie, Victoria, sa grand-mère, opte pour la solution définitive. Le mariage avec sa cousine Victoria Melita de Cobourg, elle-même étoile incontestée de la nouvelle génération. La cérémonie se déroule à Cobourg, où l'on vit à l'anglaise comme à Darmstadt. Ernest Ludwig est tellement amusé par la perspective de son mariage, jusqu'alors inouï pour lui, qu'il a invité tout le gratin royal d'Europe afin de bénir sa performance et de clouer le bec aux méchantes langues. Au fait, les deux jeunes mariés n'ont pas de secret l'un pour l'autre et partagent le même caractère enjoué. Nicolas en profite pour se comporter en fiancé officieux d'Alix, qui hésite encore à donner sa réponse, par inquiétude à l'idée de changer de religion. Et malgré les moqueries d'Ernest Ludwig, qui a pourtant bien changé la sienne durant les surprenantes découvertes de sa nuit de noces. Parmi les petits-enfants plus ou moins couronnés de Victoria qui suivent en direct le suspense, l'empereur Guillaume prend évidemment Nicolas en main en l'accablant de conseils comme un tombeur professionnel. Mais Alix est en fait déjà convertie par la ferveur orthodoxe de sa sœur Ella et elle aime bien trop Nicolas pour lui résister plus longtemps. Elle lui tend donc sa main. Émotion, larmes, attendrissement général, Nicolas écrit dans son journal « Dieu m'a accordé le plus grand bonheur dont pouvait rêver mon existence en me donnant Alix ». Dans l'inquiétude de l'aggravation de la maladie du tsar, les Romanov ont admis le mariage, mais il reste à convaincre Victoria, autour de qui bourdonne un Kaiser débordant d'enthousiasme. Pour une fois, Alix n'est pas inquiète. Elle sait que la douceur de Nicolas ravira sa grand-mère dès qu'elle le connaîtra mieux. Et c'est ce qui arrive. Victoria retrouve en Nicolas toutes ses qualités danoises qu'elle a appris à apprécier. Et bien qu'elle dise à Alix « Attention, ma chérie, ne fais pas la glorieuse », elle est tout de même épatée par la splendeur des cadeaux dont Nicolas couvre sa fiancée. Sa propre nostalgie se nourrit du spectacle des deux jeunes gens qui l'accompagnent dans ses prudentes promenades de vieilles poupées en voiture jouée. Tandis que des souvenirs inoubliables et plus concrets lui conseille de leur laisser aussi beaucoup de temps libre, sans chaperon ni question. Ainsi se souviendront-ils toujours de cette période bénie dans leur existence, où ils partagent aveux, serments et baisers en échangeant leur journal. Nicolas dit tout sur la Kchessinskaya. Alix pardonne et promet de ne plus jamais être inquiète ou triste, tandis que Victoria les frôle, en leur glissant « Le passé jamais ne reviendra », de l'avenir, vous ne savez rien, le présent seul est à vous. Or, le présent de Nicolas s'assombrit brusquement, le tsar Alexandre III est à l'agonie. Maria Féodorovna a réussi à l'emmener en Crimée, à Livadia, dont il aime le perpétuel printemps. Le tsarevitch, accablé par le chagrin, épouvanté par le vertige qui s'ouvre devant lui, fait venir sa fiancée. Alix parvient dans une maison où la mort rôde et où la famille impériale se débat dans l'affolement. Cette deuxième rencontre avec la Russie n'est guère plus heureuse qu'au temps de sa visite à Ella où elle s'était sentie s'y déplacer. 10 jours après, Alexandre III meurt. Nicolas n'a que 26 ans, il est le nouveau tsar de la Russie de son père, celle qui défile en pleurant l'autocrate orthodoxe. Mais il devine qu'il en existe d'autres, réticentes ou hostiles.
Que vais-je faire? La tête me tourne. Je ne sais même pas comment. On parle à des ministres. Vite, suspendre le deuil pour quelques heures afin d'épouser Alix. Et ainsi devient-elle, conduite par un cercueil jusqu'au trône d'un empire indéchiffrable, Alexandra Fyodorovna, tsarine de 23 ans. Cependant, à vaciller ainsi devant la tâche écrasante qui les attend, ils se rapprochent encore un peu plus. « Je t'aime » et dans ces trois mots est contenue ma vie, écrit Alexandra Fyodorovna dans le journal de Nicolas au lendemain d'une nuit de noces qui les a comblés l'un et l'autre. Bientôt, Olga, leur première fille, naît, tandis qu'on accroche déjà dans Moscou les drapeaux du sacre. C'est une cérémonie religieuse à laquelle ils se préparent pieusement. Les cloches de Moscou sonnent à toute volée lorsque le cortège parvient au Kremlin, dans le concours d'une multitude exaltée. Tandis qu'il caracole à ses côtés, Nicolas appréhende l'épreuve pour sa mère, qui revit le cœur serré les cérémonies qu'elle connut 13 ans plus tôt. Comme il redoute qu'Alexandra et lui-même commettent une erreur au long du rituel si chargé de symboles qui fera d'eux les oints du Seigneur. Mais tout se passe bien. Comment l'assistance des souverains d'Europe et de la cour, auxquels se mêlent les descendants parfois très humbles de ceux qui servirent les tsars autrefois, n'éprouverait-elle pas un intense sentiment de dévotion pour le jeune couple tellement désireux de bien faire, qui reprend un héritage si manifestement éternel. Pour Alexandra, le sacre est d'ailleurs un autre mariage, celui qui l'unit à la Sainte Russie, dans l'extraordinaire splendeur d'une foi religieuse qui l'enivre de toutes les exaltations auquel se refusait son enfance luthérienne. Et elle est la première à voir en celui qu'elle aime tant, l'être désormais divinisé qu'est le tsar, empereur et autocrate, dont les états s'étendent jusqu'en Asie centrale et qui ont dépêché leur prince musulman pour lui rendre hommage. Plusieurs centaines de milliers de provinciaux ont aussi fait le voyage de Moscou. Ils se massent dans le champ de la Kodinka. Mais une bousculade y dégénère en panique et par centaines de pauvres hères meurent piétinés. Le grand-duc Serge est tenu pour responsable par tous ceux qui fustigent des cérémonies d'un autre âge, tandis que le reste de la Russie y voit un sinistre présage. L'attitude même de Nicolas et d'Alexandra, qui ont dû assister au bal de l'ambassadeur de France, paraît insupportable, alors qu'ils passeront les jours suivants à visiter les hôpitaux. Déjà cette malchance dont Nicolas se persuade d'être poursuivi. Enfin, il y a la protection des Romanov, la beauté d'Ella, le bonheur de s'aimer parmi les sœurs de Nicolas quand Olga rit et que Xenia se laisse embrasser par Sandro. Avec aussi, à Saint-Pétersbourg comme au Danemark, ces inévitables froissements ordinaires, en dehors des hommes simples, entre une belle-mère et sa bru. Maria Fyodorovna s'accommode mal de son veuvage, et malgré le réconfort que lui apporte la princesse de Galles lors de leur retrouvaille à Copenhague, elle étouffe ses enfants de son besoin d'être consolée comme de ses conseils. La jeune tsarine en souffre. Il y a aussi des histoires de bijoux, de protocoles. Sous l'apparence de l'harmonie, avec l'unité souriante des deux sœurs comme un bloc, la réserve intimidée de la nouvelle venue qui s'inquiète. Différence de caractère et sourde blessure. Et puis Georges meurt de la maladie pulmonaire qui s'était réveillée durant la Grande Croisière. Alexandra Fyodorovna s'étonne, quelle famille étrange, si aimante, mais où l'on peut rendre son âme dans la solitude désolée d'un chemin du Caucase, où manque soudain un bras pour s'appuyer comme l'air pour respirer.
Et comme est lourd cet exercice du pouvoir auquel est confronté Nicolas, sans cesse des gens à voir, des dossiers à consulter, toute la vie de l'immense empire remonte jusqu'à son bureau où il passe d'interminables heures. Heureusement, la présence d'Olga, comme la tradition des voyages, permettent de desserrer un peu l'étau de ces contraintes qu'ils n'osent questionner. Ils emmènent l'enfant partout avec eux. Cette fois, la bienfaisante atmosphère de Copenhague apaise les tensions informulées. Christian IX a aussi invité le cinéma pour cette fête de famille, dessinant la carte de l'Europe. La princesse de Galles et Maria Féodorovna, évidemment inséparables, s'amusent aux facéties du tsar Nicolas, descendant vivement l'escalier. Quant au roi de Grèce, leur frère, il s'efface un peu, car la princesse de Galles vient chercher son père, le roi de Danemark, pour qu'il se place plus près des messieurs actionnant la nouvelle invention. Dès qu'il est loin de Russie, Nicolas retrouve toute sa gaieté. Il est auprès de gens qui le jugent tendrement et il profite des plaisanteries de l'oncle Valdemar. Sympathique, ce Valdemar, dont les petits princes tirent les basques sans respect excessif, comme s'ils se doutaient de ses petits secrets. La famille est précisément faite pour cela, ensevelir les mystères privés comme les soucis d'empire. La jeune tsarine est bord cadre dans le film, visage éteint sur la photo, un reste de tristesse ? Mais c'est aussi le même visage alors qu'elle est heureuse de présenter Olga, sa grand-mère. Pour Nicolas, c'est un effet de la réserve anglaise et il ne s'interroge jamais sur les mystères britanniques. Autrement, il faudrait chercher à savoir comment ça marche. Victoria s'y respectait alors que ce sont ses ministres qui gouvernent. En Russie, quel désordre ce serait! En plus, lorsque Victoria s'absente, c'est pour longtemps, l'hiver, qu'elle va passer sur la Riviera. Bien que les relations de son gouvernement avec la France soient bien médiocres, la République veille sur son confort. Le train roule lentement, on la transporte avec de grands égards. Victoria ne s'ennuie jamais. Infatigable plaisir d'écrire et sa fille Béatrice pour lui rapporter les potins de Monaco. L'impératrice Élisabeth d'Autriche y séjourne, méconnaissable selon des indiscrets. Il paraît qu'elle marche avec la seule escorte d'un guide, sans que personne ne lui prête attention. Si, l'impératrice, incognito jusqu'ici? Victoria est un peu choquée. Ne craint-elle pas les attentats? L'empereur François-Joseph, qui l'a fait protéger par des détectives, est venu la retrouver. On les voit passer dans les jardins de Cap-Martin. Victoria est rassurée. Si l'empereur est là, ils viendront me faire visite. Mais rien n'est simple quand il s'agit de l'impératrice Élisabeth. Elle préfère se promener avec cette aimable bavarde d'Eugénie, la veuve de Napoléon III, plutôt que de faire plaisir à son époux attentionné. Et Béatrice raconte encore à Victoria qui s'endort, le vieil empereur, son petit-neveu Charles, ce n'est pas son héritier pourtant, sait-on jamais? François-Joseph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie, est l'incontestable rival de Victoria pour la palme du plus long règne et l'adulation populaire dans l'illusion d'une Europe immobile. Malgré Sissi, il quitte guère ces états, où l'on vit en revanche avec le sentiment de son omniprésence. Sa figure de noble patriarche, partout reproduite, y est le symbole de la permanence de ce qui rassemble ses peuples. La maison Habsbourg, catholique, cousine également peu avec les autres dynasties. Il en retire une aura de solitude qui accroît encore son prestige.
Les princes des cours d'Europe aiment à venir le voir à la Hofburg, un palais triste comme la grandeur, où il les reçoit avec l'exquise courtoisie des anciens temps. Il lui exprime souvent l'admiration qu'il ressent à parcourir sa capitale. Le progrès y accompagne la majesté de l'héritage. Il sait d'ailleurs très bien ce qui se passe au-delà des murs épais de la Hofburg. 50 ans de règne bureaucratique ont laissé toute sa place à l'indolence des habitudes. Vienne est la cité du monarque de l'équilibre. Et pour chacun des cercles qui tournent sur le ring et se croisent au prater, le centre est toujours le même. L'empereur dont la lumière s'allume avant l'aube. L'impératrice qui emporte la sienne dans ses perpétuelles errances. L'héritier qui l'a laissé s'éteindre dans la nuit de Meyerling. Et si le pouls de l'Empire bat de plus en plus fort jusqu'au pied des sombres appartements de la Hofburg, le cœur continue, régulier et monotone, au rythme inchangé d'autrefois. Mais le sang-froid a accompli de grandes réformes, surévolution face aux bouleversements menaçant le subtil mécanisme Habsbourg. L'archiduc de 18 ans, imposé par sa mère à un conseil de famille cerné par la Révolution, était la sentinelle de l'absolutisme sur la ruine de Metternich. Le vieil empereur est le fonctionnaire syndic d'un foisonnement de culture et d'usage dont il maîtrise chacune des langues. « Je suis le dernier souverain de la vieille école », a-t-il coutume de dire. À quoi bon le luxe et toutes les facilités modernes dont les autres princes se montrent si fiers? Pour celui qui observe le temps qui passe et la diversité des nations, dans un perpétuel face-à-face avec sa conscience. Certains, à qui ce paternalisme est insupportable, crient à la prison des peuples. Mais qui songe sérieusement à s'en évader, quand la règle est pour l'union des hommes, et que les murs sont cimentés du dévouement et du sens de l'honneur, d'un gardien qui s'est enfermé lui-même, une fois pour toutes, avec la clé de la toison d'or, dans la cellule la plus austère, celle de son devoir. Aschenbrunn, Versailles féminin pour empereur vertueux, François-Joseph revient chaque printemps. Il laisse le public se promener sous les fenêtres du bureau où il annote inlassablement le manuscrit de l'Empire. La rumeur des visiteurs, tout comme le gracieux décor d'illusion militaire de la Gloriette, fixe les repères de sa défaite tendre-amère, survenue lorsque le plus beau des cygnes blancs s'enfuit de Schönbrunn, il y a si longtemps déjà. Et si l'empereur vit entouré des portraits de son épouse Élisabeth, c'est pour retrouver Sissi quand elle n'était pas encore l'impératrice de la solitude. Le cours du Danube n'est tranquille qu'en apparence. Il abrite bien des tumultes. Sissi a tout juste 16 ans lorsqu'il l'entraîne vers la célébration de son mariage avec François-Joseph. Elle n'a pas peur, l'empereur est son cousin. Il est beau, jeune, il l'a choisi et il l'aime. Elle ressent sa nuit de noces comme un viol. Sa belle-mère la tourmente, le protocole l'étouffe, sa première fille meurt. François-Joseph n'a pas le temps pour s'occuper d'elle et remédier à ses désastres. C'est une Wittelsbach de la branche qui ne règne en Bavière que sur la Bohème de Château Campagnard. Narcissisme et nostalgie du paradis perdu, elle dérive en souriant, artiste de sa propre beauté qui se dérobe à celui qui la désire,
poète de la chute d'un empire qu'elle appelle de ses voeux. On la croit gravement malade, commencent les grands voyages. François-Joseph l'aime d'autant plus. Il se sent coupable de ne pas la comprendre, admire cette liberté qu'il se refuse, si interdite, comme son double obscur. Son romantisme chevaleresque envoûte la Hongrie qui en fait sa reine de cœur. Château de Gödöllő-Magyar contre palais de Schönbrunn viennois. Autriche-Hongrie, François-Joseph et Sissi, les mariages repartent sur la base d'existences subtilement séparées. Trois enfants tout de même, dont elle garde le dernier près d'elle, Marie-Valérie, otage de ses fuites. Course folle à cheval sur la plaine hongroise dont les horizons infinis font espérer une évasion sans limite. Réclusion, régime, voilette, éventail, passez votre chemin, année trop curieuse, guettant la fin de la beauté. Elle réclame à François-Joseph un cirque pour la belle écuyère dont elle a fait sa confidente, un asile de fous en état de marche comme cadeau d'anniversaire. Il lui offre l'Hermès Villa, un Schönbrunn bourgeois et fin de siècle où Klimt l'a peinte à fresque sur les murs. Pour elle toute seule, ses chiens géants, la ménagerie de ses hantises. Elle est émue par cet amour maladroit et fidèle qui lui pardonne ses caprices, règle ses factures et lui écrit des lettres humbles signées « Ton tout petit qui t'aime et pense à toi ». Il faudrait trouver celle qui saurait le consoler sans profiter de lui. Elle lui choisit Catherine Schratt, comédienne heureuse de vivre, son exact contraire. Elle en profite pour repartir plus loin, pour plus longtemps. L'Irlande, Alger, l'Égypte. Vienne se froisse et l'oublie. Les consuls d'Autriche perdent parfois sa trace. Elle s'éprend de la Grèce. Toute langue est facile pour celle qui possède si bien le hongrois. Homère inspire l'Aquiléon, qu'elle fait construire à Corfou, surplombant les rivages d'Albanie. Une statue d'Achille blessé monte une garde expirante devant le mausolée imaginaire de Heine, d'où elle contemple l'île des morts. L'impératrice reine se soigne à l'étranger. Que voulez-vous, depuis la mort de son fils, l'archiduc Rodolphe, le prince héritier dont le caractère lui ressemblait tant, le drame terrible de sa sœur, la duchesse d'Alençon, brûlée vive au bazar de la charité. Les blessures de sa personnalité se sont encore aggravées et seules les croisières sur son yacht parviennent à l'apaiser. Mais elle ne disparaît jamais non plus tout à fait, retrouvant François-Joseph pour quelques heures ou quelques jours. Et s'il était, lui aussi, une part d'elle-même qu'elle regrette sans l'avouer. Pour le millénaire de la Hongrie, elle apparaît auprès de lui. Les Magyars sont avides de s'approcher de la juvénile silhouette noire au visage soyeusement enrobé d'une voilette. Touchée par tant de souvenirs, elle soulève alors le carré de mousseline et chacun, soudain silencieux, détourne le regard devant les années d'une vie perdue. Genève en septembre est un séjour délicieux. Une brume légère nacre les eaux du lac et à l'hôtel Beau Rivage, on peut croiser l'impératrice Élisabeth. Les journalistes sont bien contents pour le carnet mondain. L'anarchiste Luc Henny, qui dort dans les parcs en serrant un poinçon, l'est aussi. Il commençait à désespérer de pouvoir tuer une célébrité. Cette complice d'un tyran couronné présente tous les avantages. Elle se déplace sans protection avec une dame de son âge.
Sissi est en retard ce matin. Il faut se hâter pour ne pas rater le bateau qui l'emmènera avec la comtesse Tsaré pour un déjeuner près de Prigny. Lucchini passe comme un voyou qui porterait un coup. Un apache sans doute qui voulait quelque argent. Sissi est pâle, ça ira mieux sur le bateau. Mais non, elle se sent mal alors que l'on s'éloigne. La comtesse Tsaré découvre la petite tache brune, se fait connaître du capitaine. Les machines font marche arrière. Sur le quai, des gens s'arrêtent, surpris par la manœuvre. L'impératrice reine vient de mourir. On arrête un Italien courant sur le quai du Rhône. Nul ne sait combien nous nous sommes aimés, murmure François-Joseph quand on lui tend la dépêche. Sissi le savait-elle elle-même, en ne cessant de s'éloigner de lui. Ces messieurs de Genève interdisent aux curieux d'approcher. Lucchini regrette. Finalement, ce n'est qu'un fait divers. Vienne pardonne et se masse dans les rues. Au fond, était-ce bien la peine, puisque tout le monde sait parfaitement que c'est lui, l'empereur de la solitude. Sissi, qui détestait l'empire des Habsbourg, devient l'objet d'un culte. Qui le pratique le plus? Ceux qui se trompent en la voulant héroïne ou victime, ou ceux qui pleurent toutes les morts qu'elle annonce? François-Joseph ne se consolera jamais de la perte de Sissi, évoquant longuement sa mémoire auprès de Catherine Schratt, dépositaire des secrets de leur ménage à Troyes. Une autre mort, cependant, survenue 10 ans plus tôt, affecte plus gravement le lien unissant la dynastie à ses états, celle du seul fils de François-Joseph et de Sissi, l'archiduc Rodolphe. Et de cette mort, François-Joseph ne parle jamais à personne, tant le remords, la honte et la douleur éprouvent son cœur de père et sa conscience d'empereur. Dès sa petite enfance, Rodolphe révèle qu'il appartient au monde de sa mère. Jolie poupée, attifée des panoplies de l'Empire, dont l'intelligence rebelle et les rêveries mélancoliques épanchent les besoins de tendresse auprès de sa sœur Gisèle. L'éducation Habsbourg piétine ses fleurs d'incertitude. Précepteur soldat, principe militaire, l'enfant grelotte de chagrins informulés. Cependant, François-Joseph l'aime avec une réelle indulgence. Il sait que son héritier ne lui ressemblera jamais et il l'admet. L'enfant le sent, il aimerait passer toute sa vie près de son père. Et s'il le faut, même à la Hofburg qui lui fait tellement peur. Mais il y devine peu à peu les raisons des absences de sa mère, reproches inexprimables, visions idéales. Il met longtemps à s'avouer qu'il la préfère, tout à ses objets, son parfum, son souvenir, flottant dans la prison. L'Empire avant les sentiments. François-Joseph s'y est plié, qui s'en soucie encore. Il doit en être de même pour Rodolphe. Entraînement, garnison, femmes qui attendent devant la caserne. Désarroi de l'élève Rodolphe, qui n'aime plus le monde et déjà trop la chair. Docile ou brisé, séduisante ou cynique, Rodolphe hésite entre les modèles de son enfance et triche avec lui-même en jouant mal les comédies de l'héritier. Faux amis de Guillaume de Prusse, qu'il insupporte. Tiède prétendant d'une Stéphanie de Belgique qu'il trouve fade. Mauvais mari, qui la traite mal, la trompe ouvertement, l'abandonne pour les bordels de Vienne. Père étrange d'une petite fille qui l'effraye et subjugue.
Le dégoût de soi marque bientôt ses traits, celui de la tradition impériale ses opinions. Il flirte avec les démocrates, écrit dans la presse de gauche, contacte Clémenceau. Rapport de police sur le bureau de son père. L'attente dissout ses velléités dans la succession des nuits blanches. Il rencontre Marie Vetsera, qui n'a pas 18 ans, et rêve au prince charmant. Elle ignore que le décadent impérial connaît bien sa mère, intrigante de cour, qui le caressait adolescent. Mais il étouffe dans la ville où s'étale la gloire de son père et traîne l'évidence de ses propres erreurs. Partir avec cette petite voix blanche comme un souvenir candide de l'ancienne vie. Pour un lieu tranquille, cet hiver à Meierling, certains archiducs s'évadent et disparaissent afin de mener une autre existence. Ils changent d'identité, aiment qui bon leur semble, fondent une nouvelle famille. Rodolphe n'y songe plus, trop de gens partout pour le rattraper, trop de phobies et trop d'échecs. La destination de son voyage se précise, tandis que Marie gazouille qu'elle l'aime en mourir. Il ira jusqu'au cœur du système et mettra fin à ses battements. Il n'y a pas d'instant de plus intense solitude qu'une nuit de veille devant un revolver. Il repense à tous ceux qui lui ont manqué, regarde Marie qui dort confiante à ses côtés et l'emmène avec lui. Aujourd'hui encore, personne ne sait exactement ce qui s'est passé à Meierling, où l'on retrouva les cadavres de l'archiduc Rodolphe et de Marie Vetsera frappés de mort violente. Suicide compliqué au nom de meurtre, vengeance, conjuration mystérieuse. On ignore même la nature du lien qui les entraîna si loin ensemble. Et si c'était sa fille ? Mais l'Empire est plus fort que son fils prodigue. On escamote macabrement la dépouille de Marie. François-Joseph obtient du pape un enterrement catholique et impérial. Il couvre Meierling d'un étouffoir de plomb. Depuis, le scandale suinte sourdement sous le glacis des convenances. Cependant, François-Joseph s'en tient à la seule vérité de l'honneur des Habsbourg, dont il est le garant pour tous ceux qui lui font confiance. La mort de Rodolphe, l'éloignement de Sissi sont les stigmates de cet isolement de François-Joseph, qui l'a aussi séparé de ses frères. Ils étaient autrefois quatre fils, aimant à se retrouver, mais François-Joseph était l'empereur, et les autres pensaient que c'est une aventure. Maximilien, le plus doué, voulut le devenir à son tour. Aux yeux de la chimère du Mexique, que cet aimable truqueur de Napoléon III fit scintiller devant ses yeux. Avant de se retrouver, le gibier d'une chasse de 3 années, où l'Indien Juarez finit par l'abattre, marchandant même son trophée aux ambassadeurs effarés qu'on dépêcha de Vienne. Charles-Louis, pour sa part, crut sans doute que les Habsbourg étaient bien encore souverains de Jérusalem, comme on l'aurait cité lors de la cérémonie où l'empereur catholique lavait les pieds de quelques pauvres. Les fièvres de la Terre Sainte eurent raison de cette confusion des temps. Quant au délicat Louis-Victor, il fut happé par le royaume des fées, où la princesse charmante joue à la poupée avec les sœurs de Sissi, en espérant le jour où elle se fera enlever de son poney par de beaux bergers moustachus. En vérité, l'archiduc Louis-Victor n'était pas toujours très Habsbourg dans ses inclinations. Il aurait dû aller voir de petites femmes plutôt que d'aller faire des cabrioles avec toutes sortes d'artistes. Certes robustes et sympathiques, mais passablement envahissants lorsqu'ils allaient négocier leurs confidences.
On l'exila donc dans un très discret château près de Salzbourg, avec l'interdiction absolue d'en sortir, mais pas celle de recevoir certains des aimables compagnons qui partageaient son rêve d'impératrice en devenant ses dames d'honneur. Hélas, les photographies attestant le goût prononcé de l'archiduc Louis-Victor pour les choses de la mode circulèrent sous la crinoline de Vienne à l'effarement de François-Joseph. Si au moins on avait pu le sortir en douceur de la famille, mais Louis-Victor, célibataire, demeurait archiduc, éternel fiancé de ses gardes, devenu bien langoureux à son contact, car peu importe l'uniforme, pourvu qu'on ait la cavalière. Finalement, il sécha sur place parmi ses collections d'ombrelles qu'il saluait de noms célèbres, avec une préférence pour la Bismarck, les jours d'orage. Cependant, vraie tragédie ou espiègle tapage glisse sur le stoïcisme impérial et avive seulement l'attachement quasi familial qu'on lui porte à travers l'Empire. Cette popularité le soutient moralement. Elle est d'ailleurs largement relayée par la dévotion de ses filles. Et ainsi marche-t-il, bon pied, bon œil, sans douter de son droit chemin, dont nul n'oserait lui dire qu'il est aussi pavé d'égoïsme Habsbourg et de frivolité viennoise. Sauf son neveu peut-être, l'archiduc François Ferdinand, nouvel héritier, qui juge sans complaisance l'état des affaires et le fait abruptement savoir. Mais pour le vieil empereur François-Joseph, qu'importe les impatiences d'un jeune archiduc trop ambitieux, qu'il se tienne à sa place et chacun son tour, cet héritier qui ne fera ni l'un ni l'autre. Ainsi, tout est-il calme sur l'Europe, où le système Victoria assure la paix relative de la famille des rois, tandis que François-Joseph exerce sur ses peuples l'apaisement des patriarches. Mais les grands-parents ne protègent pas indéfiniment de la mort, dont ils s'approchent en laissant soudain leurs enfants derrière eux. La fin de Victoria ensevelie dans le voile de ses noces, comme pour affirmer encore la force de la fidélité et de la mémoire, éveille le temps des rivalités et des ambitions passionnées, où s'opposeront son fils et son petit-fils, le nouveau roi Édouard et le Kaiser allemand Guillaume. On ne sait pas grand-chose encore du roi Édouard, que sa mère tenait à l'écart des affaires en le jugeant inapte à les maîtriser. On croit connaître le Kaiser Guillaume, dont l'intelligence paraît compenser les travers. Et pourtant, dans la grande dispute de l'héritage, c'est le premier qui gardera la paix, tandis que le second rallumera les feux conduisant à la guerre. Es muss denn das Pferd nun entscheiden. Letzten
in Frieden über Fest und Verhalten.